Il a la plaque numéro 36, Arnaud Laborde. Pour le Pédaclub Oléronais, plaque 05, Paul Thémier. Pour le BMX Club Niortais, plaque 42, Maxime Boucher. Pour le stade d'Antoine BMX, une nouvelle fois sur la galette en finale avec la plaque 97, Roméo Dalmazo Dumont. Pour le Bicross Club de Danguin, à présent, plaque numéro 82, Mathias Loustonneau. Pour BMX Ebroyer, il a la plaque numéro 19, Nathan Dio. Pour Combat BMX Club, plaque numéro 59, Arthur Sibet. Et enfin, pour l'AS Saint-Junien, il a la plaque 68, Charles Racoteau-Valfa. Allez, messieurs, c'est à vous. Silence, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour cette finale. Et croyez-moi, il y a une spéciale visual shot. Peut-être Charles. Ouais, il me semble, Charles Racoteau-Malefa. On a attendu Charles Racoteau-Malefa. Ça va se jouer entre ces deux pilotes pour la première et la deuxième place, je pense, à l'issue de la première ligne droite. C'est pour l'instant. Donc, Nathan Dio qui a pris l'avantage. Charles Racoteau-Malefa se retrouve en deuxième position. Et la troisième place pour Arthur Sibert, le pilote de combat. Pour l'instant, donc, c'est dans cet ordre. Nous rentrons dans le deuxième virage où sont à mi-course. La troisième ligne droite, toujours Nathan Dio, la plaque numéro 19. Charles Racoteau-Malefa qui revient sur Nathan Dio. Attention, ça va être chaud. Dans ces derniers virages, je pense peut-être une attaque en croisée. Et c'était trop loin. Allez, Nathan Dio qui résiste. Charles Racoteau-Malefa, dernière chance pour passer devant. Nathan Dio de Charles Racoteau-Malefa et 3 Arthur Sibert. Ce sera le podium de cette catégorie 8 en garçon.